Quand tu parles d'une partenaire en or, ça, c'est Marie-Pierre Morin. Là, tu vas nous faire une confession. Tu dis que même ça va bien me faire sentir tellement tu vas plus loin que ce que j'ai fait. Je t'adore déjà pour ça. Mais juste avant, 11007, quelqu'un qui nous écrit, mon Dieu, moi, j'ai une confession à faire. J'étais pas certaine avec Marie-Pierre au début, mais vous savez quoi? Je l'adore. Pas de filtre comme moi. J'ai 55 ans. Fou comme c'est quelqu'un comme moi. Puis il y en a une qui a osé même nous appeler. Hein? Chantal qui est au bout du fil. Allô, allô? Chantal? Allô, les filles! Hey. Hey, je capote! Ah, comment ça, tu capotes? Ben là, le téléphone sonne. Allô, Chantal? Oui, c'est moi, mais moi, j'attendais un autre appel, là. Ben là! Ah, comment ça va? Ça va bien? T'es tarif, mais oui. Ben voyons donc! Parce que là, faut que tu nous fasses ta confession, Chantal, c'est pour ça, là. Ça n'a pas de sens. Là, je vais me déculpabiliser parce que Marie-Pierre, je suis désolée, j'ai eu un petit peu de jugement. Bon, ça arrive. Quand ils ont dit ça, j'ai dit, bon, ben, je vais l'écouter, on verra. Moi, Marie-Ève, pas de problème. Moi, Marie-Ève, je te suis depuis des années. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que là, je suis pognée pour tout annuler mes rendez-vous pour ça pendant l'heure de dîner parce que vous êtes géniale. Marie-Pierre, là, t'es tellement... Moi, la poignée de garnotte hier, là, tu m'as fait tout ça à terre. Pas de sens. Oh, non. Moi, du côté des varices vaginales, ça va très bien. Mais il y a d'autres choses là qui arrivent, hein? Même à 55 ans. T'es parfaite, Chantal! Hey, au début, je me disais, mon Dieu, c'est un compliment. Tu sais, elle me dit qu'elle était pas sûre, qu'elle m'aimait pas, mais finalement qu'elle m'aime. Mais non, c'est juste un beau compliment, Chantal. C'est donc bien fun. Écoute, c'est une découverte pour moi extraordinaire. Je te connaissais, là, oui, comme ça, là. Puis un petit peu, mais je t'adore. Écoute, vous faites un duo tellement là que je vous écoute, puis je ris, puis je me dis, oh mon Dieu, faut pas que tu écoutes. Faut pas que tu écoutes. Parce qu'il y a des affaires qui nous font friser les oreilles, mais c'est tellement vrai. C'est tellement même. Ben, on va essayer de garder ça. On va essayer de oh mon Dieu, mais ça fait du bien, mon Dieu, merci. Ah, oui. Hey, Chantal. T'es authentique, puis t'as pas peur de dire les vraies affaires, c'est le même qu'on aime ça. Oh mon Dieu, ben, j'ai pas fini, ma belle Chantal, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, t'as une carte chouchou, tu nous appelles quand tu veux. Pour vrai? Ben oui. Hey, vous avez pas fini avec moi. C'est parfait, ça. C'est parfait. On t'aime de même. Bonne journée, Chantal. Hey, super, puis ben pour tout le monde là, vous saurez que c'est Chanchou qui a appelé. Chanchou. OK. Gros bisous, Chanchou. Bye. Hey, bye. Je vous aime bien, gros les filles. Bye bye, merci. Bye. Ben non, mais c'est pas merveilleux ça. Voyons, ben, qu'est-ce que c'est ça? Les yeux pleins d'eau, j'ai fait ça. T'es sûr que tu veux faire ta confession après ça? Oh, je pense que ça va nous faire du bien. OK, ben plonge. Moi, je t'écoute. Ah oui, c'est là, là. Ouais, c'est là. On dirait que j'ai un doute. Non, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais des mauvaises manies. En fait, je mettais tout dans ma bouche. Chaline, ça part raide. Hein? Ah, c'est raide. J'ai réalisé que ça n'avait pas de sens. Mais c'est tout. Je mettais, mettons, je parlais au téléphone dans la chambre à mes parents parce que c'était des téléphones avec des lignes fixes. Oui. Là, mon père, il avait tout le temps une poignée de charge. Je prenais la poignée de charge et la mettais dans. Qu'est-ce que t'as manqué? Je sais pas pourquoi. Je lichais des batteries. Mais le pire, c'est quand je décollais les gommes sur le trottoir avec mes doigts en bas. Là, des fois, ma mère, on marchait, puis là, elle me regardait, puis là, je mangeais de la gomme, puis là, elle disait, tu l'as pris où? Puis là, je disais, c'est le trottoir. Et j'étais pleine de feux sauvages. Là, tu te dis, bon, elle vieillit, elle fait plus ça. Je serais pas prête à dire. Et j'avais quelque chose à part, l'autre jour. Voyons, je sais pas où j'étais. Puis là, j'étais comme, ben faudrait pas que je le mange. C'est tombé à terre. Je l'ai mangé pareil. mais tu liches les graines de tes enfants qui sont tombés avec un bout de doigt. Je comprends. Mon bébé régurgite, là. Non, c'est régurgite dans ma main. Non, va pas là. Non, va pas là. Si. Non, non. Je le fais pas souvent. Mais maintenant... Non, Marie, non. Attends, je vais me débarbouiller. Tu peux pas. Mais qu'est-ce qu'on vit? Mais qu'est-ce qu'on vit? Oh, oh c'est que j'ai honte. Oh, t'es parfaite. T'es parfaite. Mais où est-ce qu'on peut aller après ça? Ça va juste continuer après compter. Wouhou!